Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte, et comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sera sur Tropico, et comme ce n'est pas indiqué, ce sera sur Tropico 5. Alors, Tropico est sorti il y a déjà un bon moment, le 23 mai 2014, il est développé par Aemimon Games, et développé par Calypso Media Digital. Le 6 est d'ores et déjà annoncé et en production, mais je tenais à vous faire découvrir un petit peu cette saga. Tropico, c'est une saga qui date déjà d'il y a pas mal d'années, et qui propose tout simplement de vous mettre à la tête d'une île dont vous êtes le dictateur. Ce qui est un pitch plutôt sympa. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors c'est un jeu de gestion, ça peut rappeler pour ceux qui connaissent par exemple Anno, etc. Donc Tropico a une tripotée de DLC où je ne l'ai pas dit, il est trouvable pour environ 20€. Et on va tout de suite, il est dispo en multijoueur, donc soit du compétitif, soit du pseudo-coopératif, à vous de voir. Nous on va partir dans une nouvelle partie, alors pas le didacticiel, il y a pas mal de missions aussi pour ceux qui aiment bien ça, il y a une campagne à faire. Nous on va partir dans un mode bac à sable pour vraiment pas vous spoiler et vraiment vous montrer le début du jeu. Si jamais vous souhaitez en voir plus, eh bien je vous invite à le faire vous-même. Donc il va falloir tout simplement avoir une dynastie, je peux vous montrer comment on fait. Il suffit de donner un nom et après de donner une apparence à son dictateur. Par exemple, la dynastie des Romero, c'est très bien, on peut confirmer. Je vais vous montrer comment on crée vite fait son dictateur avant de partir en partie. Mais je reprendrai la dynastie que j'ai déjà créée, ça ira plus vite. Alors le jeu est en français avec doublage français. Donc voilà, là on choisit son dictateur, ça peut être une femme ou un homme. On peut choisir son nom, on peut choisir sa compétence qui va lui donner un bonus en début de partie, on peut choisir son origine. Bien sûr on peut choisir une tête. Je sais pas, par exemple, voilà, il est caucasien avec cette tête là, c'est très bien, ok. Et maintenant, c'est là où le jeu part un peu dans le ridicule, c'est qu'on va pouvoir lui choisir, comment il est habillé. Vous voyez, il y a vraiment n'importe quoi comme tenue. Hop, on peut lui trouver, voilà, on a un dictateur, avec un petit nœud papillon et des bretelles, je trouve que c'est la classe. Hop, on va lui mettre une couleur un peu ridicule, pour un dictateur. Je cherche rose clair, c'était pas mal. Allez, un petit dictateur en rose. Avec un pantalon jaune. Il est chauve, qu'est-ce qu'on va lui mettre? On va lui mettre une petite coupe. Voilà, c'est parfait. La couleur de cheveux ne changera pas grand-chose. On pourrait éventuellement lui mettre un petit chapeau. Oh, le chapeau, ça reste plus sympa que la perruque. Et des accessoires, qu'est-ce qu'il va prendre? Lève la tête, s'il te plaît, plutôt que de regarder tes chaussures. Voilà. Voilà, on a un dictateur qui en impose. Qui n'aurait pas peur de ça? Franchement. Bon, du coup, on peut rester sur ce dictateur-là, il sort que c'est un peu ridicule. Donc, on peut prendre une carte générée aléatoirement ou une carte de notre choix. Il y a pas mal de cartes disponibles. Alors je possède normalement tous les DLC, donc ça en rajoute pas mal. Hop, on va prendre une carte générée, basiquement, très bien. On peut choisir l'époque de départ, parce que le pitch de ce Tropico-là, c'est que l'on va partir de l'époque coloniale, avant finalement de déclarer notre indépendance, puis de s'allier à un des camps de la guerre mondiale, puis de passer à la guerre froide, et enfin d'arriver au temps moderne. Donc on part de loin pour arriver à notre époque. Population de départ, on ne touche pas, argent de départ, je ne touche pas, je ne touche rien. On peut éventuellement régler des désastres, comme dans tout bon jeu de gestion de ville. Pas de victoire par les points, pas de victoire par l'argent, pas de victoire par les bâtiments. C'est tout simplement une partie en bac à sable, donc je ne mets pas de victoire. De toute façon, je ne la continuerai pas, c'est vraiment pour vous découvrir avec vous. Alors, il faut savoir que ce jeu peut aussi être assez difficile, notamment quand vous allez demander votre indépendance. Il va falloir pouvoir assurer. Donc on va tout de suite commencer. Alors comment se présente la carte? On a la zone que l'on voit, à côté du brouillard de guerre, on ne sait pas du tout ce qu'il y a sur le reste de l'île actuellement. On a un petit port qui va permettre les échanges commerciaux, hop on peut le voir ici. Salutations vieille branche, j'ai une offre spéciale pour vous aujourd'hui. En tant que représentant de la couronne,
je peux vous proposer d'acquérir votre propre licence commerciale. Donc voilà, il y a des doublages en français, comme vous l'avez vu, ce qui est très sympa. Alors lui, il nous propose d'acheter éventuellement une licence commerciale aux Hollandais, ce qui va eh bien, rendre la couronne moins contente actuellement. Nous sommes une colonie, hein, il faut le savoir. Donc à voir si on veut eh bien, s'attirer les bonnes grâces de la couronne ou non. On peut choisir l'offre classique argent qui nous coûtera que 2000 ou l'offre platine qui nous offre des offres commerciales supplémentaires. Je pense qu'on va partir sur l'offre de base. Hop, on va prendre l'argent. Hop, je mets tout de suite en pause. Pourquoi je mets en pause? Alors, tout simplement parce qu'ici, vous avez 4 ans. Qu'est-ce que c'est que ce 4 ans? Eh bien, c'est tout simplement le temps que j'ai. Où je reste, en fait, à la tête de cette île. Je peux gagner au fur et à mesure des mois supplémentaires et compagnie, mais, eh bien, c'est la couronne qui choisit. Et si je ne satisfais pas la couronne en faisant ces missions, eh bien, je ne vais plus gagner de temps. Donc, ils vont vouloir me virer. Du coup, le seul moyen d'éviter ça, c'est de déclarer son indépendance. Donc, eh bien, c'est un peu finalement sur chronomètre. Il faut réussir à développer son île et être capable de déclarer son indépendance. On va voir ça. Ici, on a un bâtiment donc, qui est notre, tout simplement notre palais. Hop, si je zoome ici, voilà, on peut voir, c'est nous. C'est nous, hein, notre dictateur va se balader dans la ville. Actuellement, on n'a pas grand-chose, faut bien l'avouer. Et ici, on a toute une tripotée de boutons, comme dans n'importe quel jeu de gestion, à savoir les constructions, donc avec énormément de bâtiments à construire. Hop. Ici, on a l'almanach qui nous permet de savoir bien, toutes les infos qu'il y a à savoir. À côté, on peut voir les membres de la dynastie, parce qu'éventuellement, notre dynastie va pouvoir évoluer avec des nouveaux membres. On peut l'envoyer à la retraite, on peut lui faire gagner un niveau, et on peut bien sûr le personnaliser. Ainsi que voir eh bien, son compte en Suisse, parce que c'est quand même important, nous sommes un dictateur, nous sommes là pour extorquer tout le monde. On a un petit peu de recherche qui va nous permettre de développer eh bien, notre ville, alors il n'y a pour l'instant que ça. Hop, voilà, je vais vous le montrer, donc il faut faire ici pour avancer, hein. Ainsi de suite, voilà, comme dans n'importe quel jeu de gestion. Hop, ici on peut promulguer des décrets, parce que... C'est important les décrets, par exemple le droit aux armes pour les citoyens, ou la baisse des impôts, ou la loi martiale, ça marche aussi. Et actuellement, voilà, je ne peux vous montrer que les décrets de la couronne, mais il y a aussi les décrets de la guerre mondiale, de la guerre froide et de l'époque moderne. Le monde a évolué, bien sûr. On peut, quand j'aurai fait la recherche, faire une constitution. On peut voir donc les différentes offres commerciales qu'il y a, achat ou revente, et avec qui, hein, c'est quand même important. Là, on a une réputation à l'étranger, par exemple, parce qu'on traite avec des contrebandiers. Ici, on traite avec la Compagnie des Indes, donc ce qui est très bien. Ici, on traite avec des pirates, ce qui est moins bien pour la couronne. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et enfin, les différents filtres, si je veux voir, par exemple, je veux voir où poussent les bananes, oups. Voilà, où poussent les bananes, eh bien elles poussent mieux dans ce coin-là les bananes, et pas sur la plage. Voilà, j'ai fait le tour vite fait, on va pouvoir commencer à jouer. Donc on va tout de suite mettre en vitesse normale, qu'est-ce qu'il veut ? Comme vous le savez, Sa Majesté se plaît à jouer les bouts de feu. Le roi a décidé de préparer un grand feu de joie, le plus grand du monde. Et il lui faut tout le bois possible. Donc on doit collecter du feu pour le roi, on doit construire un camp de bûcherons et notre mandat sera prolongé de 6 mois. Et ben on va lui construire un petit camp de bûcherons. Alors d'abord là il va falloir qu'on construise hop, une petite route, la route, tout simplement parce qu'ici ce n'est pas relié. Ce qui n'est pas très bien. Hein. C'était quand même bien de relier le tout. Hop. On va le relier en ligne droite parce que c'est mieux. Hop hop. Alors, il nous a dit un petit camp de bûcheron. Alors, le camp de bûcheron, ça va être ici, camp de bûcheron. Donc on peut voir où il sera bien, ici c'est pas bien. On va le poser ici. Ici, ce sera très bien. Oups. Si je clique droit pour annuler, c'est pas bien. Je dis le camp de bûcheron, il sera posé ici. Voilà. Alors, nous allons mettre une petite route... Hop, qui va ici et qui doit relier du coup. Parfait. Waouh, même sans le vouloir, je l'ai parfaitement bien calé. Donc on a le camp de bûcheron.
Mais ça ne va pas suffire, évidemment. Pas de répit pour le président. Notre bon Adam Romero. Quelle classe. Donc voilà, le camp de bûcheron est en train de se construire. Il faut que j'attende qu'il soit construit. Donc les constructeurs sont ici, bureau des chantiers. Et ici, c'est le bureau des routiers qui transportent les ressources. Bien sûr, chaque bâtiment, on peut regarder la base, les travailleurs qui sont dedans, son efficacité et sa description. Les bâtiments pourront bien sûr avoir des améliorations. Je peux attribuer un certain budget aussi. Eh bien, si je suis un radin, ou si je donne un peu plus de budget, sachant que s'il y a plus de budget, il y a une meilleure qualité du travail. Donc, le bureau des chantiers, hop, et le bureau des routiers, moi, je leur donne le budget max, parce que c'est quand même important qu'ils bossent bien. Ici, on a nos maisons. Donc ici, on peut voir qu'il n'y a pas de famille dedans. Donc cette maison ne rapporte rien, elle me fait même perdre. Sa royale majesté m'a demandé de vous présenter cette citation qui vous félicite pour vos exploits au nom de l'Empire. Donc quand il m'a coupé, j'allais dire que je pouvais régler des différentes choses dans la maison que l'on regardera juste après. Donc là, j'ai rempli sa quête. Donc il me donne soit 5000 dettes financières, soit 5000 sur mon compte en Suisse, soit une prolongation du mandat de 12 mois, soit des nouveaux colons. En début de partie, honnêtement, je vais partir sur de l'aide financière parce qu'on a déjà plus trop de sous. Voilà, donc j'étais sur la maison, rends-moi la maison. Et j'étais en train de dire que je pouvais changer différentes choses. Par exemple, je pourrais la démolir. Bon, là, il y a des familles dedans. Elle est pauvre. Ça, c'est important. Parce que, en fait, certains bâtiments vont être pour les riches. Donc, il faut faire attention. Ici, on peut voir qui est là, s'il y a des couples ou pas. Et ici, vous voyez qu'on pourra l'améliorer. Par exemple, on pourra ajouter l'électricité à cette maison. Ce qui permettra eh bien, d'améliorer la qualité du logement, mais nous fera perdre de l'électricité. Parce qu'on n'est pas obligé de donner l'électricité à tout le monde. Faut pas déconner, on est un dictateur. On fait ce qu'on veut. Donc ici, c'est notre palais, aussi on pourra l'améliorer et on peut envoyer des explorations. Alors, une exploration, ça sert à quoi? Tout simplement, je paye et hop, ils vont enlever le brouillard de guerre. Une nouvelle quête. Les progrès technologiques sont la voie vers l'autonomie, gouverneur. Il nous faut plus de scientifiques pour réfléchir à des choses importantes et faire de nouvelles découvertes. Donc elle, vous l'avez compris, c'est celle qui va me pousser... Eh bien, à aller vers l'indépendance, là où le Lord Machin, j'ai oublié son nom, lui me pousse à rester vers la couronne. Nous acceptons. Nous allons construire une bibliothèque. Alors, où est la bibliothèque? Hop, biblio, il y a tellement de boutons. Bibliothèque, c'est là. Vous voyez qu'elle coûte 5000. Et la bibliothèque, alors, la bibliothèque, je ne sais pas. Il y a une touche pour tourner normalement. Il y a une touche pour tourner, là de tête, voilà c'est ça, c'est la molette, tant pour moi. Hop, on va la caler, on va la caler là, la bibliothèque est côté du palais j'ai envie de dire. Mais plutôt dans ce sens là, on va la faire propre. Hop, et par maniaquitude, on va, voilà. Donc on fait la bibliothèque, mais la bibliothèque va avoir besoin... d'ouvriers qualifiés. Alors je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais j'essaie de vous en montrer le plus possible pendant cette petite vidéo. On va accélérer pendant qu'ils construisent notre bibliothèque. Alors je pourrais payer pour la construire plus rapidement, mais on est pauvre. D'ailleurs on est pauvre. On va rester sur cette idée, on est pauvre, il nous faut de l'argent. Donc, nous avons actuellement un ranch de cochons, ce qui est bien, et qui est utilisé pour la consommation locale. Mais nous aimerions, eh bien, exporter et vendre. C'est ça qui rapporte des sous. Donc, dis-moi ce qu'ils veulent. Alors, dans le coin, on achète du tabac, on achète du café et on achète du cacao. Contrat de 5 ans, c'est très intéressant. Ça rapporte en plus. C'est intéressant. Éventuellement, on peut exporter des rondins de bois, ça peut être bien. Ou du maïs. Ah non, c'est de l'import. Donc, faut voir. Il faut voir. Bon, pour l'instant, on ne fait rien. On verra bien plus tard.
On voit que mes sous descendent, allez, construisez-moi ça. Bon. Réfléchis ici du poisson. Ah, ça a changé. Du poisson, maïs, laine. Qu'est-ce qu'on va produire? On exporte. Je réfléchis parce que c'est que des contrebandiers en fait. Donc café, laine ou poisson. Café, laine ou poisson. Qu'est-ce que l'on peut construire nous? Café, laine ou poisson. Plantation, c'est bien, mais hop. Est-ce qu'on peut planter du café dans le coin? Oh, là, on a un bon coin pour le café. On va faire ça. Faire une petite plantation de café. Alors, plantation, il suffit de cliquer sur plantation et après, on choisit quoi. On a du café. Du café, ça se vendra bien. Alors, le caillou, c'est pas top. Hop. Voilà, construire ici, tout de suite, on fait ça, hop, on trace une route qui va comme ça. Hop, toi, le café, hop, j'ajoute mon navire qui s'appelle Jeannette. Et on est d'accord. Allez, construis-moi la plantation. Et ici, on peut voir le problème. Eh bien, nous n'avons pas d'ouvriers qualifiés, tout simplement parce que ici, je vais ralentir le temps, ben chez nous il n'y a même pas d'école. Donc ils sont pas capables de travailler là-dedans, mais je pourrais inviter des travailleurs étranges. Étrangers, mais ça coûte cher. Sa Majesté veut échanger du bois contre des moutons. Du bois contre des moutons, ça intéresse quelqu'un? Bon, si vous ne voulez pas de moutons, vous devrez vous contenter d'argent. Exporter 5000 rondins. Alors, on en avait 290, c'est bien. Donc là-bas, nous n'avons pas de travailleurs. Ça y est, nous avons des travailleurs dans la plantation de café. Donc la plantation de café, faut qu'elle carbure. Allez, bim, gros budget. Alors, si jamais vous voulez, vous pouvez changer la culture, à condition qu'elle pousse aussi à l'endroit où vous avez mis cette plantation. Tac, tac, tac. Bon, pour l'instant, on n'a besoin de rien. Ici, il faut que ça carbure aussi, puisque Sa Majesté l'a dit. Allez, on accélère un petit peu. Bon, éventuellement, on va pouvoir engager les travailleurs étrangers. On en a un qui arrive. Allez, on en paye deux. Allez, allez, on les fait arriver. Dépêchez-vous de venir. Allez, en attente, je sais. Donc on attend qu'ils arrivent tranquillement. Ah, peut-être par ce bateau, peut-être par ce bateau. Non, ça c'est le Jeannette, c'est le nôtre. Peut-être celui-là. Des immigrants, on a 19 immigrants qui arrivent. Bien, j'espère que c'est bon, on a des travailleurs. Donc ici, vous pouvez voir, ici ce sont tout simplement des cahutes, ce sont un peu les bidonvilles simplement, il n'y a pas assez de maisons. Donc ils s'installent où ils peuvent. Gouverneur, j'ai établi un contact avec certains groupes de marins peu recommandables, mais qui sont prêts à payer un peu plus cher pour nos marchandises. Les tropiquains ont assez de travailler dur pour tout ce qu'ils produisent, pour que tout ce qu'ils produisent soit vendu à la couronne. Créer une route commerciale. Pour l'exportation, eh bien nous acceptons. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Comme nous avions déjà créé une route avec les contrebandiers, c'est validé. Donc on peut avoir 3 citoyens éduqués. Ce qui peut être intéressant, on en avait besoin pour la recherche. Une nouvelle route commerciale avec des contrebandiers ou 2000, on va prendre les citoyens éduqués. Donc ça y est, maintenant on peut faire de la recherche. Donc la faucille nous permettrait d'améliorer les fermes. Le cowboy améliore le ranch et la pelle nous débloquerait les mines. On va prendre la faucille. Ouais. Alors je pourrais mettre une chaîne, par exemple dire la faucille, après on améliorera ça. Et donc il faut 2 recherches à chaque fois pour passer au rang d'après. Le fort militaire, non. On pourrait mettre maintenant des directeurs dans les bâtiments. Ou de la scierie pour faire des planches, on va faire tac, tac, tac. Voilà, on va les laisser rechercher comme ceci.
On va tout de suite accélérer un petit peu. Donc eux, ils ont besoin de maisons. Des maisons. Maisons. On peut mettre des maisons de riches. Coûte super cher. On peut mettre une maison de riches. Allez. Donc là-bas, c'est le quartier pauvre. On va se faire un petit quartier riche, là, devant le palais. En espérant que les riches viennent s'y installer. Bon, on n'a pas beaucoup de sous, mais c'est vrai, vraiment pour vous montrer, je vais placer d'autres maisons. Tac, allez, les bidonvilles, on vous aime pas, on place 5 maisons, comme ça on est bien pauvre. Ça se construit tranquillement. Notre bateau à exporter. Ce que je n'aurai malheureusement pas le temps de vous montrer, ce sera l'aspect militaire. Alors l'aspect militaire, il est très simpliste, hein. C'est le fort, le bâtiment défensif de type tour ou la caserne pour créer des troupes. Et tout simplement, vous les envoyez au bon endroit et les ennemis attaquent et un peu tout se résout automatiquement. Bon, rien de... Excellente nouvelle ! En fouillant les caisses de nos réserves coloniales, nous avons découvert la faucille. C'est incroyable à quel point elle s'accorde à merveille avec un marteau. Notre productivité va exploser. Un avenir radieux nous attend. Il y a beaucoup d'humour aussi dans le jeu, vous l'aurez remarqué. Donc maintenant, j'ai débloqué les améliorations. Alors ici, ça coûte trop cher, je peux pas. Mais par exemple, pour la plantation de café, on peut traiter les grains, ce qui augmenterait l'efficacité de la production de vin. C'est intéressant. Donc ça y est, il y a du café qui sort, on peut voir les profits totaux générés par le bâtiment. Les maisons ont l'air d'être habitées, la maison de riche. La maison de riche commence à être habitée. Donc on a moins 10 000, on est très pauvre, ce qui est pas bien. Ici on va réduire le budget, ici on va réduire le budget. Sa Royale Majesté m'a demandé de vous présenter cette citation qui vous félicite pour vos exploits au nom de l'Empire. Donc ça y est, on a exporté le bois, et bien tout de suite tu nous aides financièrement Majesté, merci. Hop, ici on réduit, comme ça il n'y a que le café qui produit fort. Donc ici on voit le tout simplement le soutien populaire. Donc chez moi j'ai des royalistes et des révolutionnaires bien sûr, donc en fonction de ce que je fais, certes la couronne va m'aimer ou pas, mais en contrepartie les royalistes ou les révolutionnaires vont m'aimer. Donc on peut voir qu'actuellement les royalistes me haïssent et les révolutionnaires m'apprécient. Donc je n'ai que 23% du soutien populaire, sachant que si je veux l'indépendance et compagnie, si je veux être réélu quand c'est l'époque des élections, il faut que j'ai suffisamment de... Il faut que j'ai le soutien populaire. Enfin, réélu, c'est vite quelqu'un dit en tant que dictateur. Quelqu'un m'a volé un manuscrit et l'a publié sous un faux nom. C'était les récits autobiographiques de deux hommes qui vivent à la montagne et apprennent à se connaître en profondeur. Ce n'est vraiment pas très gai comme histoire. Petite référence à un film assez connu. Donc ça y est, on est revenu un petit peu dans nos finances. Là, on va débloquer le traitement du grain. Donc pas de temps de recherche, je l'ai juste activé, voilà. Normalement l'efficacité va augmenter, ce qui est bien. Le café, c'est actuellement ce qui nous rapporte. Alors ce qui pourrait être intéressant de faire, pour ralentir, c'est qu'actuellement je ne peux faire qu'un seul échange parce que je n'ai qu'un seul quai. Donc ce que l'on pourrait faire, c'est mettre un deuxième quai, je ne sais pas si je peux... Un petit dock, ça coûte 3500, c'est bon, alors... Ouais. Il faut trouver un endroit où on peut le mettre. On peut le mettre ici. Donc, de mettre un deuxième quai, ça va me permettre d'avoir une nouvelle route commerciale. Oulalalala. Tac, voilà. Donc, j'aimerais quand même vous montrer ça. Ici, on a des quêtes. Gouverneur. Mes amis spéciaux sont prêts à faire des affaires avec nous. Il nous faut seulement des navires supplémentaires pour transporter la marchandise. Donc construire un dock supplémentaire, on a le soutien des révolutionnaires, j'accepte. Presidente, comme vous le savez, votre volonté seule maintient Tropico en un tout unique.
Sans vous, toute l'île s'effondrerait dans la poussière et l'oubli. Alors peut-être est-il temps d'envisager d'ajouter un nouveau membre à la dynastie, on ne sait jamais. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que vous aviez environ 76 cousins. Nous allons devoir organiser un test pour réduire un peu ces chiffres. Donc, comment allons-nous départager nos cousins ? Une compétition de bras de fer, une compétition de chant, de natation synchronisée où je n'ai pas besoin d'un successeur, je vivrai éternellement. Une compétition de bras de fer. À la naissance de l'héritier, tous les animaux se turent, une lumière brilla dans les cieux et le chupacabra vint s'incliner devant les nourrissons. En tout cas, c'est ce que l'on écrira dans les livres d'histoire. Oui, on modifie un peu l'histoire, c'est normal. Alors, est-ce que je reconnais mon héritier? Et si oui, qu'est-ce qu'il va être? Agitateur, un vote de plus sera converti si je triche lors des élections. Les aides étrangères sont augmentées de 5% parce que je suis célèbre. Ou le classement touristique augmente parce qu'il a la main verte. Oh, j'ai envie de dire, hein, petit agitateur. Donc voilà, voilà un nouveau membre de ma dynastie. J'approuve. Franchement, j'approuve. Il va très bien avec notre dictateur actuel. Donc ça sera Guillaume Romero qui rejoint notre dictateur. Parfait. Ah là là, ce jeu. Vous avez pas l'air motivé à construire le truc là. Hein. En construction, 0%. Ah bah enfin. Parce que je vous paye moins, ça y est, vous faites la gueule. C'est pas bien. Une équipe de recherche composée de moi seul a découvert la pelle en 40 exemplaires. S'il y trouve celui qui les a mises là, il aura affaire à moi. En attendant, il les a confiées aux mineurs. Ça peut servir. Oui, ça peut servir. Allez, construisez-moi le dock. Un jour. Peut-être. Peut-être pas. Je sais pas. C'est pas sûr. Alors ici, on a un range de cochons. On pourrait l'améliorer pour... Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Vas-y, t'as qu'à me couper la parole. Donc je disais, ici, on peut l'améliorer pour augmenter l'efficacité, mais la qualité du travail est réduite. Je ne sais pas si on va le faire. Et ça y est, on a un nouveau port. Donc un nouveau port, ça veut dire un nouveau navire pour faire des exportations. Alors, on pourrait exporter du sucre ou du café. Le lait, la viande, sucre ou café, ça se vendrait bien. Hein. Le café se vend mieux, mais on en a déjà un qui le fait, du coup. Les perles, on n'a pas de perles. Ici, la viande, ce serait 1200. Ici, le sucre. Éventuellement, on peut exporter la viande. La viande, on en produit déjà. Donc on va tout de suite se rajouter, hop, alors résidence, on s'en fiche. On peut peut-être leur rajouter un petit pub, ça améliore les habitations autour. Hop, et on peut mettre un petit pub, hop, voilà, un petit pub en bord de route, là, pour aller sur la plage. Ce sera sympa, ils seront contents. Gouverneur, j'ai trouvé ce livre dans votre bureau. Il a été écrit par le camarade Marx et il propose des idées intéressantes sur la façon dont nous devrions bâtir notre société. Donc là, on peut construire une plantation de bananes pour avoir le soutien des révolutionnaires. On accepte, bien sûr. Donc il va falloir poser une petite plantation de bananes. Hop, donc la plantation c'était ici. Hein. Mais là, je vous montre un petit peu les autres bâtiments que l'on a parce qu'une fois évolué, après on pourra transformer les matériaux de base. Par exemple avec la fabrique de textiles, ou la scierie qui transformera les métaux, la conserverie, l'usine de meubles. Après, bien sûr, on ira vers les fabrications de luxe, comme les voitures ou le cigare. Donc vous voyez en bas, c'est marqué à quelle époque ça se débloque. On pourra améliorer, par exemple, en mettant des immeubles, ce qui regroupera beaucoup plus de monde. Ici, on va pouvoir améliorer un petit peu le confort de nos habitants avec des restos, des fast-food. Bien sûr, ici, il faut aussi les divertir avec l'opéra, le casino, etc. On peut développer le tourisme avec un bateau de croisière, un aérodrome. Bien sûr, il faudra gérer tout ce qui va être bien-être, médias et religion, comme la mission catholique, la clinique, l'épicerie, le journal, l'inquisition, ça marche aussi. Ou un asile, ça marche très bien.
Ici, on peut améliorer nos recherches avec l'université, l'observatoire. Là, on a tout ce qui va être économie, tel que le phare, la banque, l'ambassade, qui va nous permettre eh bien, de traiter avec, par exemple, soit les alliés, soit l'Axe pendant la guerre mondiale. Pour l'armée, donc c'est ce que je vous disais, on a la tour, qui est le bâtiment défensif de base et qui va avoir une petite unité en garnison. Le fort, qui lui permet d'attaquer et d'être un peu plus fort. La caserne, qui donc permettra du coup d'avoir des soldats. La base militaire, si je me souviens bien, permettra d'avoir des tanks, etc. etc. Ici, donc, il y a eh bien, deux, trois petites bêtises. Par exemple, le parc il peut produire des perles. C'est des trucs qui servent en bord de mer. Un dock de contrebandier, c'est bien aussi. Et enfin, vous avez, je crois que c'était rajouté avec un DLC, l'espionnage, hein, bien sûr. Parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même pour savoir ce qui se passe dans le monde. Donc voilà un petit peu tout ce que vous pouvez construire, il y a plein de recherches à faire, en parlant je vais continuer de jouer. Donc il y a pas mal de recherches à faire, il faut réussir à passer toutes les époques et faire attention, vous voyez qu'il ne me reste plus que 2 ans et 7 mois déjà. Donc c'est une plantation de bananes, si je me souviens bien, banana, on les met où? Le seul endroit où ça pousse c'est en gros sur ma plantation d'arbres, c'est super. Super. Bon, à la rigueur, hein, et puis tant pis pour les arbres. Voilà. Les arbres, il y en a toute une forêt. On pourra se débrouiller avec. Hop. Ici, on n'a plus qu'à tracer une route. Donc, je vais avoir ma plantation de bananes et le soutien des révolutionnaires, comme vous l'avez vu. C'était ma petite mission. Alors là, j'ai vraiment pas développé ma ville très vite. Ici, je peux vous montrer. Ça, c'est bien sûr du charbon. Donc, si je veux construire une mine, hop. J'ai débloqué la mine, elle est ici. Voilà, je peux la poser. Alors, voilà, directement ici, ça se voit pas très bien. Mais voilà. Mais c'est un territoire inexploré, vous le voyez, je peux pas la poser. Donc, comment je fais? Je vous l'ai dit tout à l'heure, exploration. Hop, vous venez là. Mon équipe d'explorateurs est ici. Donc, ce sont des troupes, en fait. Qui vont y aller. Je vous montre la mine et puis on se laissera. Parce que du coup vous aurez vu un petit peu tout le cœur du jeu, alors bah, bien sûr il y a des petites subtilités, il faut gérer comme il faut, on peut pas tout faire en même temps, etc. Grâce à vos efforts, les mouvements révolutionnaires deviennent plus forts. Ça c'est comme dans n'importe quel jeu. Vous voyez, ils sont en train d'explorer, le brouillard de guerre disparaît petit à petit, hop, je pourrais préparer ma mine, un territoire inexploré. Oh, ils sont pas allés. Au départ, toute l'équipe était pour le maître. Mais un matin, l'un d'entre eux s'est dit contre le maître. Vous avez compris? Contre maître. Tiens, c'est amusant, nous venons aussi de découvrir les mauvais de mots. Donc là, ils y vont. J'attends, ça devrait être bon. Mine, ça y est, hop, je peux la poser. Je prends une route, pouf. Je le place, alors, où c'est que j'ai une route? Hop, hop, voilà, je vais aller jusque là. Parfait. Vous voyez qu'il y a aussi des routes courbes. Et ma mine va se construire, donc maintenant je vais avoir du charbon. Alors, il y a peut-être d'autres mines dans le coin, par exemple il y en a une ici, mais on ne peut pas voir ce qu'elle est vu que je n'ai pas exploré. Et le but du coup va être bien de coloniser l'île au fur et à mesure. Au niveau des catastrophes, il peut y avoir des volcans, des tremblements de terre, ce qui va compliquer un petit peu la tâche. On va tout de suite hop, arrêter. Et du coup, eh bien moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que ce jeu et cette petite découverte vous aura plu et peut-être donné l'envie d'y jouer. N'hésitez pas, c'est un très bon jeu, on peut y passer pas mal d'heures si vous aimez la gestion. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.